Pourquoi le célibat des prêtres et des religieux? Pour nous donner, de la part de Jésus, un gage de la vérité du royaume des cieux, où les élus ne vivent plus de la vie charnelle, mais de la pure contemplation de Dieu qui fait toute leur joie, comme les anges. Matthieu 22, 30. Leur célibat témoigne de ce que l'Église ne naît pas de la chair et du sang. Matthieu 16, 17. Si en effet on peut être rabbin, imam, pasteur, pope, chaman, de père en fils, ce n'est pas le cas pour un prêtre catholique de rite latin dont la génération, à l'instar de celle du Fils de la Vierge, ne peut s'expliquer que par une action directe de l'Esprit-Saint. Quelle magnifique preuve donc de l'origine non pas terrestre mais divine de l'Église catholique qui, par la communion eucharistique, devient le corps du Christ.